Amis gamers, amis hackers, coucou Zelta, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle image qui vient d'être révélée sur la taxidermie. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur le gameplay. Regardez. Dans les outils, on peut voir également qu'il parle d'un taxidermy tools. Alors ça, c'est un peu spécial parce que le taxidermiste, c'est en fait quelqu'un qui se charge d'empailler les animaux. Donc je vois pas trop le rapport. Maintenant, peut-être que c'est la traduction qui n'est peut-être pas totalement exacte, mais voilà à quoi ressemble un set de taxidermiste, par exemple. Et voilà le résultat après. Peut-être pour faire des trophées, hein, on sait jamais, ça pourrait être pas mal ça en fait. Et donc oui, il s'agit bien d'outils pour faire des trophées, pour empailler. Mais attention, pas des trophées comme celui que vous voyez là, évidemment. C'est des trophées grandeur plus ou moins nature. Parce que si on regarde le Bulldog, oui, il est grandeur nature. Mais le Bronto, il est juste un tout petit peu disproportionné. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va falloir tuer des animaux et avoir un trophée dedans, comme par exemple avec les alphas sur toutes les maps? On aura peut-être une peau spéciale, un skin spécial à l'intérieur de chaque dino à partir de ce DLC-ci. Ça, on verra bien. Est-ce qu'il va juste falloir débloquer un engramme pour avoir accès à tous les animaux? En tout cas, là, il y a trois animaux qu'on trouve sur des maps différentes. En tout cas, le Vélonazor et le Bulbdog, logiquement, ils ne sont pas sur la même map. Ou alors, ça veut dire qu'il y a aussi des Bulbdogs sur la map d'extinction éventuellement. On peut voir l'outil qu'il faudra avoir en main en tout cas pour fabriquer ça. Ça n'a pas l'air d'être dans une base de fabrication, mais peut-être que c'est le support qui fait office de base de fabrication. En tout cas, ils sont tous sur le même type de support. Ça prendra quand même un petit peu de place. On verra bien, de toute façon, on aura plus d'infos à partir du 6. On verra ça sur PC, hein, vu qu'il y a un report pour les consoles malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos et d'autres aventures. Ciao, ciao.